Comment allez-vous ce matin? C'était très très long, attends, je ne vous cache pas. Je me suis réveillé tôt ce matin, pas tôt. On a compris, je me suis réveillé tôt en tout cas. Aujourd'hui, c'est une très très grosse journée. Beaucoup de stress qui va arriver parce qu'en fait, tout ce qui est arrivé là-dedans, c'est pour une bonne raison. J'ai reçu un superbe colis de la part de Canon. Oui, Canon, encore une fois, sauf que là aujourd'hui, c'est très très gros. C'est très très gros ce qu'il y a là-dedans, c'est très très gros ce que je vais faire et c'est un très très gros stress. Si je vous dis comme quoi je suis stressé, c'est parce que j'ai été sélectionné du coup par la France. Je suis le représentant en France, donc il n'y a personne d'autre. Et du coup, chaque membre Canon de chaque pays, donc du coup Canon Belgique, Canon Deutschland, ce que tu veux, a sélectionné un influenceur comme moi, donc influenceur, photographe, ce que tu veux. Et ils ont chacun reçu ça, comme moi. Donc du coup, on est en compétition pour 48 heures. Qu'est-ce qu'on va faire? Vous savez, moi je ne sais pas encore, mais on va voir. Mais ça risque de faire peur parce que il n'y a que moi. Ouais, c'est parti. Code. C'est quoi ça? Ouais, c'est un gros colis. Ok, donc du coup les gars, vous avez vu comme quoi j'ai déjà déballé ce colis sans ma story. Je te cache pas que j'étais au courant de ce qu'il y avait dans le colis de base, enfin à 30%. Je savais qu'il y avait un gros truc. Et quand tu reçois ça, c'est bien tout content. J'ai reçu un stylo Canon et un agenda Canon. Donc autant vous dire que je suis heureux. Et j'ai également reçu, on m'a demandé, ouais Tom, donne-nous ta taille de t-shirt. Donc j'ai reçu un t-shirt Canon de la taille L. Voilà, parce que maintenant je porte du L. On s'en bat les mains, c'est pas. Du coup j'ai reçu, j'allais dire simplement, mais j'ai reçu un objectif, celui-ci. Et qu'est-ce que tu reçois quand tu reçois ça en plus? Le nouveau 6D Mark II de Canon. J'ai jamais essayé, je l'ai vu de mes propres yeux il y a pas longtemps à Image Photo Lyon. Et là ici, je l'ai jamais testé vraiment. Et je suis content parce que parce qu'il est tout nouveau. J'ai absolument envie de tester ça. C'est un plein format. J'ai reçu également ça, ça m'a mis le feu. Mais vraiment, quasiment plus que l'appareil. J'ai reçu les gars un sac Canon pour mettre les objectifs. C'est vraiment le sac Canon. Est-ce qu'il rigole à un moment ou pas Canon? J'ai pas l'impression. La vie va trop vite ici avec elle, ça va beaucoup trop vite. Et avant d'oublier, simplement je voulais montrer un petit truc. J'ai le compte Canon sur mon téléphone et en plus je mets des stories. C'est parti. Ah merde! Du coup, je suis allé chez Guillaume, c'est d'avoir un petit peu, lui montrer un petit peu les défis que j'ai. Et parce que je suis pour simplement une idée déjà, j'ai le temps de lui. Non, mais ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va tester la première idée dans le canapé. Ouais, dans le canapé. Ouais. Si ça marche pas, c'est qu'on le pète. Vraiment, je le pète. Hein. Vraiment, il est mort. Mais... Non, mais bon, je vais avoir ici, moi, tu vas rien voir là. Moi centré, là c'est pas centré, vous voyez. Et pas écrit 5D. C'est pas 5D. Mais en gros, je veux lancer la photo, je veux qu'on voit que la lanière passe devant pour faire comprendre que l'appareil photo en fait il prend la photo avec l'application et pas en retardateur. Bref, c'est ça l'idée. Mais on va galérer. Et après, on va aller dehors et là il y aura pas de canapé. Bon, je retourne chez moi, je reviens, je vais récupérer un truc. Bonjour, je viens me changer. Je suis repassé vite fait chez moi pour me changer parce que c'est vrai que pour le coup j'étais pas forcément très bien habillé pour la photo et il fallait que j'aille à un accoutrement plus ou moins potable. On retourne chez Guillaume. Bon,
Je suis rentré. Bon, ça fait cette photo. Jean-Michel, oh putain, c'est le côté. Ouais. Juste en direction du coup. Regardez où t'es arrivé, les gars. C'est musée des confluences. Musée des. Tu m'as dit quoi? Histoire naturelle. On est arrivé ici, le lieu pour la première photo, les gars. Bon, je pensais pas que c'était aussi. Je pensais qu'il y avait un petit peu de gazon, hein, parce que bon, l'appareil qui tombe sur le gazon, ça peut le faire. L'appareil qui tombe sur le béton, ça le fait pas. Au final, c'est un peu compliqué ce qu'on voulait faire, parce que je voulais faire, c'était très compliqué. Au final, je dois envoyer l'appareil photo et qu'il reste droit, parce que bon, c'est pas fait exprès pour l'aérodynamisme, pardon, c'est pas ça. Et en plus, je dois prendre en photo avec le téléphone en même temps, pas caché, mais genre avoir le téléphone comme ça, et avoir la main comme ça pour jeter, histoire d'avoir le mouvement, et en plus la lanière qui fait comme ça, en gros la lanière c'est du 6D, pour qu'on voit, comme vous voyez, il n'y a personne derrière et que c'est en plein mouvement. C'est assez compliqué, il faut la chance, il faut la lumière. C'est très compliqué, mais on en a quelques-unes, hein, quand même, on n'est pas mauvais, je le mets ici. Bon, oui, ça va. J'en ai quelques-unes, mais il n'y a pas le truc qui fait comme quoi, pépite. En fait, les gars, je pense qu'on est arrivé très 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 bien en fait. Avec le vent, le poids de la caméra n'est pas faite pour voler comme ça, pour prendre en photo en rafale comme ça, c'est compliqué, donc du coup on a vraiment poussé au max. Et donc du coup je suis très content parce que cette photo elle a ultra plu à Canon, du coup là elle est actuellement sur le Canon, enfin sur le Instagram Canon que je mets juste ici, et également sur mon compte juste ici. Donc du coup merci à beaucoup pour les retours, j'ai jamais eu autant de retours aussi vite. Si vous voulez checker, comment mettre un petit commentaire de soutien, ça fait toujours plaisir, un like, merci beaucoup encore pour tous vos likes et tous vos commentaires, c'est incroyable. Bref, je vous dis bonne nuit, à demain. Demain il y a encore beaucoup de taf, demain j'ai deux photos à faire encore. Bonne soirée, bonne nuit, merci et à demain. Qu'est-ce que je ferais pas pour des photos, putain. Je suis un peu éclaté. On est très matinal du coup et ouais, je me suis pas levé pour une photo. Non, pas une photo, faut pas faire une photo là aujourd'hui. Enfin si, il faut que je fasse une photo, mais en plus, mais pas... bref. Faut que je fasse un timelapse. Un timelapse vidéo 4K avec le 6D, voilà. Donc j'en ai jamais vraiment fait avec aucun de mes appareils, rien du tout. Donc là ça sera le premier vraiment que je fais. Et j'ai hâte de voir ça. Et j'ai hâte de voir que je vais rater, je pense, hein, parce que si je l'ai jamais fait, donc c'est impossible que je l'ai réussi du premier coup. En plus, non, c'est pas possible. Il y en a pour 40 minutes, c'est parti. On va se poser juste ici là. C'est un peu sale, mais la vue sera peut-être assez jolie, je pense. What kind of fucking normal person locks himself in a little box, shoebox fucking room, man, to make music, man? Somebody wants to fucking question it, man, question this whole fucking thing, dude. You know what I'm saying? Bah je me suis rendu compte en fait que non, là ça fait toutes les 5 photos, toutes les 5 secondes pardon, je suis pas arrivé, 5 secondes, 400 photos, donc j'en ai fait pour 35 minutes je pense, et ça fait déjà 25 minutes que ça tourne, voilà. Mais je suis dégoûté parce que je voulais faire un long truc, tu vois. Sauf que je pense que je l'ai mal orienté. Là-bas c'était joli. Et là maintenant c'est plus joli par là plus en fait. Alors, j'ai un niveau de somme. Dans à peu près, je pense, 45 minutes que j'étais assis ici, sans bouger ni rien, pour faire un timelapse parfait, avec en plus les signes là, et en plus un signe qui était tout proche de moi. Et ce putain de sac est tombé dans l'eau, comme ça, il était posé comme ça, et il est tombé dans l'eau. Je sais pas comment on a réussi, j'ai pas pu voir parce que j'avais pas la tête tournée vers le sac. Mon putain de sac est tombé dans l'eau. Ah, je suis dégoûté. Actuellement à la recherche d'une espèce de guirlande pour faire une photo un peu dans un style
un peu féerique, un peu fantastique, une idée que j'ai envie de faire depuis un petit bout de temps et maintenant j'ai l'occasion qui s'en présente pour faire une photo un peu basse, en basse lumière. C'est parti, on va chercher une, on va se trouver un spot, on va faire une photo avec Manon et ça sera réglé. Et j'aurai terminé, normalement celle-ci, si je la réussis, attention. Parce qu'on est ici, en fait, je vais faire une photo et la photo elle est ultra importante. C'est la dernière que je dois faire et je veux vraiment la réussir. En fait, on a acheté des petites lampioles comme ça, je sais pas si vous voyez, des petites guirlandes. Et j'ai envie d'en mettre un petit peu partout autour de moi, genre avec Manon et tous les deux, de dos avec Lyon illuminé si ça veut bien s'illuminer pas trop tard. Bon, même si je pense que là on va attendre encore une petite heure. Sauf qu'en plus, le truc c'est que Kaon me dit qu'il faut que je fasse absolument la photo avant 21h. Enfin, qu'il faut que je fasse la photo, que je la retouche et que je l'envoie. Donc, c'est pour ça que j'ai pris l'appareil photo, l'ordinateur et mon téléphone pour faire modem. Pour l'envoyer. Voilà, donc c'est tendu. Il est quelle heure là? Ouais. Bon les gars, il est actuellement 21h03. On vient de terminer de faire les photos. Regardez ce qu'on a sorti. C'était la même luminosité, un petit peu plus à la limite, c'était un petit peu plus jour, mais à peine. Regardez ce que j'en ai sorti. Je demande sur le message. Hello, alors ça va, tu t'en sors? Bah justement, quelqu'un qui me demande, bien. Ça rend super beau. Je vous mets la photo tout de suite maintenant sur ma tête. Regardez-toi. Sur ma tête. La photo est incroyable et c'est la dernière photo pour le concours Canon. Je suis ultra heureux d'avoir sorti ça parce que franchement, je pensais pas avoir ça au début. Et ben je vous dis que le 6D Mark II plus Lightroom, c'est pépite, incroyable. Bon, maintenant j'ai froid, j'envoie ça à Canon. Mais je crois que je suis un génie. Et ben écoutez, je pense qu'on a terminé ce concours, on a tout terminé, on a tout fait en temps et en heure. J'ai fait la vidéo, j'ai fait les stories pour Canon, j'ai fait mes stories perso sur mon compte Instagram. J'ai fait le vlog, bref, j'ai tout fait et tout ça tout seul. Enfin tout seul. Également, surtout, remercier Guillaume. Du coup, vraiment, abonnez-vous à sa chaîne qui est dans la description juste en dessous. Il va reprendre les vidéos bientôt et c'est vraiment grâce à lui parce que cette photo qu'on a fait ensemble, elle est incroyable. C'était chiant, mais on l'a fait. Et également, merci à Manon, qui a été quelque part ma muse pour cette dernière photo. Et surtout, mon dernier merci du coup à Calon. C'est grâce à eux que je peux faire ça, que je peux vous proposer ça. Et surtout, avec quoi maintenant? Avec ce nouveau 6D que maintenant j'ai, qu'ils m'ont donné du coup pour... pour ça en fait. Et en plus, j'ai cet objectif là que je vais devoir rendre, le 16-35, mais qui m'aide beaucoup à faire les photos que je fais actuellement. Donc allez voir sur mon Instagram juste en dessous et je vous mets ici également. Allez voir ça. Ça fait plaisir. Voilà, donc du coup, merci encore à eux, merci à Guillaume, merci à Manon. Tous les liens sont en description si vous voulez checker un petit peu de qui je parle, si vous connaissez pas, si vous êtes de nouveau. En tout cas, merci et à très bientôt pour des vidéos un peu différentes avec le 6D. Et voilà, c'est tout. Allez, salut.